Bienvenue dans Raconte, la chaîne qui raconte des histoires. Salut Sabine. Salut Thibaut, ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Bon bah alors raconte, pourquoi tu nous as donné rendez-vous ici? Bah parce que là c'est un endroit très très particulier, tu vois. En gros, il y a un an il m'arrivait un truc hyper bizarre. Ouais. J'ai jamais dit à personne, donc ça reste entre nous, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux pas le dire, c'est pas de soucis. Bah en fait Bah non, je faisais juste des soirées comme ça. T'invitais personne? Bah non. Je peux pas, parce que... Non, mais là, l'intérêt, en fait, c'était pas qu'il y ait des gens. C'était que je fasse des soirées stylées, tu vois. Ok. On s'en fout qu'il y ait des gens. À chaque fois, cet endroit, maintenant, quand je passe, je me dis... Il y a un truc bizarre, quoi. Et tu sens pas un peu... une énergie, quelque chose, là? Ouais, c'est vrai, maintenant, tu te dis, tu vois, y a pas trop de passages. T'as des égouts. Le but, c'était vraiment qu'il y ait une pure soirée, quoi. Donc là, je mettais une playlist qui durait 3 heures. Forcément avec les musiques que je préférais, donc en plus avec tout ce que j'adorais, donc moi j'étais refaite, quoi. Donc j'étais là, c'était magnifique, il y avait la musique qu'il fallait, il y avait tout ce qu'il fallait à boire, à manger. J'attendais, tu vois. Donc et en général, avant que la playlist elle se termine, bah là après je rallume les lumières et puis je range, quoi. Ok. En ce moment, tu vois, c'est marrant, je kiffe trop la musique classique. Ah ouais, ok. Vraiment. Et je suis allée à un concert là récemment, tu vois. J'arrive, c'était la première fois, mec. J'arrive. Je vois tout le monde est hyper classe, bien et tout. C'est silencieux, la salle est magnifique. Les musiciens sont là, ils se lèvent, tout le monde les applaudit, ils se rassoient, ils se relèvent, on les applaudit, ils se rassoient, ils se relèvent encore une troisième fois, on les applaudit. Ça commence à être beaucoup, tu vois. Et tu faisais quoi, toi, pendant la soirée? Bah écoute, j'attendais, quoi. T'attendais quoi? Bah que la soirée se termine. Mais là, j'ai adoré. Genre, t'as un gars, il vient... Non mais dis-toi, genre, tu sais, il était pas sur la scène au début. Et genre, il vient comme ça, tu sais, nanana, il va devant le public, il fait comme ça, et genre, il fait comme ça, et tout. Et tout le monde l'applaudit, mais encore plus que les musiciens, tu vois. Et genre, moi, je me dis, c'est qui ce gars-là, tu sais? Je me dis, ouais, il va faire un petit truc avant, je sais pas, une introduction, machin. En fait, le gars, il parle même pas. Et genre, il se met face aux musiciens, dos à nous, tu vois. Et là, il commence à danser, genre, il fait des mouvements. Ah, et le chef d'orchestre. C'est ça, c'est le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre? C'est comme ça que qu'on dit, ouais. Ça t'est déjà arrivé, toi, Sabine, que le jour de ton anniversaire, tu sois en train de. Tu bosses en fait, et t'es avec des gens avec qui tu bosses et ils savent pas que c'est ton anniversaire et du coup t'oses pas leur dire et tout. Ça t'est jamais arrivé? Bah non, parce qu'en général les gens le savent, quoi. C'est ton anniversaire. Bah ouais. Tu sais, c'est vraiment pour le côté stylé, quoi. Genre le mec qui vient, il fait genre il bouge sur la musique. Genre, je trouve ça vraiment bien. Limite, je kifferais faire ça aussi, tu vois. Après, le gars, je me dis, il doit pas être payé super bien, quoi, parce que forcément pour ce qu'il fait, tu vois. Genre être là, tu t'agites sur la musique et tout. Bon après, j'avoue, c'est hyper stylé. Genre le gars, en plus il avait une veste très longue, tu vois. Genre vraiment, truc queue de pie et tout. Ah ouais, ouais, grande classe, quoi. Parce que c'est vrai que parfois, si tu es en train de bosser, tu vois, si tu me fais un film ou n'importe... Toi, tu te sens compte, t'oses pas dire, tu vois. Hey, les gars, au fait, c'est mon anniversaire. Ils s'en foutent, enfin, c'est bizarre, quoi. Bah ouais, carrément. Ça t'est jamais arrivé, du coup, ok. Ah non. C'est un train, écoute... Merci les gars, c'est sympa, merci, Sabine, c'est cool. Bah ouais, fallait un peu marquer le coup, quoi. Ouais, c'est cool. Merci les gars, c'est cool. T'as fait un vœu, du coup? Ah non, j'ai pas fait de vœu. Non. Ah, j'ai raté l'occasion. Bon anniversaire. Merci. Tu vois, elle me dit, bah Sabine, prends soin de toi. Ouais. Et moi, je comprends pas cette expression, en fait. Genre, ça veut dire quoi? Genre, c'est quoi, prends soin de toi? C'est hyper bizarre de dire ça, quand même. Ouais, tu vois? Non, mais je suis d'accord, c'est un truc qu'on le dit habituellement, mais quand tu réfléchis au truc... Prends soin de toi. Non, mais en plus, c'est un ordre. En fait, on te donne un ordre. En fait, j'ai capté un truc quand j'étais petite. C'est que si tu faisais une bêtise modérée, tu t'en prenais toujours plein la gueule, tu vois. En fait, il fallait trouver un moyen d'être soit une toute petite bêtise, et là, dans ce cas-là, tu vois, tes parents, ils disaient, ouais, bon, c'est parce qu'elle est jeune et tout, machin. Soit tu fais vraiment le truc horrible, tu vois. Et là, la bêtise, c'est carrément un drame, tu vois. Et comme ça, du coup, bah, tes parents, ils osent pas trop t'engueuler parce qu'ils se disent on a échappé belle et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ah oui, ok. Ouais. Ça part d'une bonne intention.
Ouais, enfin, bonne attention quand même, lui donner un ordre et tout, moi ça me saoule quoi, tu vois, enfin, je sais pas. Ouais. Je vois la stratégie. Ah, pas bête. Et ça, bah pourquoi tu manges pas ton gâteau là? Ah, il en reste un. Tu veux pas encore un bout? Bah vas-y, prends-le. Ça va. Toi, vas-y si tu veux, prends-en. T'es sûr que tu veux pas? Ouais, donc voilà. C'est. En fait, faut avoir l'esprit stratégique. Bon, merci Sabine pour cette petite balade là, c'était chouette. Ouais, bah merci à vous, franchement c'était très cool, j'ai grave kiffé, on s'est bien marré hein. Ah bah ouais, je trouve aussi, c'est, ça me fait plaisir que tu le dises, tiens. Trop sympa. Bah du coup, je vous dis à la prochaine. Ouais, à la prochaine Sabine. Salut. Ciao, merci.